Le président du mouvement pour l'émergence et le réveil du citoyen, Merci, Isaac Feuzeu, a rejoint la liste des candidats déclarés à la présidentielle camerounaise d'octobre 2018. Investi dans cette course vers le palais présidentiel par le GPDN, groupement des partis politiques pour le dialogue national, il a prêté serment devant ses militants promettant de ne faillir en aucun cas. Je prends l'engagement devant vous les journalistes, les invités, le peuple camerounais, et devant la face du monde, j'accepte cet engagement que vous m'aviez donné de porter le GPDM aux prochaines consultations électorales. Et je vous le rassure, je ne faillirai point. Ceci est un engagement non seulement devant les hommes, mais devant Dieu. Se déclarant républicain et légaliste, Isaac Feuzeu, qui a été candidat malheureux durant la présidentielle de 2011, revient avec de nouvelles réformes pour la jeunesse. J'interpelle la jeunesse. Il ne doit pas penser que, après avoir me permettre d'accéder au pouvoir, ils vont croiser les bras pour dire que je vais monter partout pour les partager de l'argent. Jamais je ne permettrai pas ça. La jeunesse doit dire qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour le Cameroun. Et en ce moment-là, quand la machine déclenche en eux-mêmes, même si tu es vendeur d'eau glacée, tu commences. Par là, plus quand tu avances, c'est le Cameroun qui avance. Pour le candidat Isaac Feuzeu, la Troisième République qu'il entend implémenter avec son parti, le Merci, sera la composante d'un peuple fier, prospère et solidaire.